Thank you everyone for joining us today for our webinar. Merci à tous et à toutes de vous joindre à nous pour cette série de webinaires. Il s'agit du premier webinaire aujourd'hui qui est une vue d'ensemble des fonds de pension. Je m'appelle Daniko Sony. Je travaille dans le domaine de l'agroalimentaire. Et Grain a mené des recherches pendant 10 ans afin de pouvoir mieux comprendre comment est-ce que l'on peut, les fonds de pension peuvent accéder aux fonds de, comment est-ce qu'on a pu ascender aux actifs et aux plans de pension de milliers de travailleurs dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre les fonds de pension afin de pouvoir mettre fin à ces investissements. Comment pouvons-nous mettre fin à ces investissements destructeurs qui se fichent du rythme accru de l'allure toujours plus rapide du changement climatique? Et aujourd'hui, nous allons entendre parler de Kevin Skirret, qui fait partie du syndicat canadien pour la fonction public. Il a beaucoup d'expérience et il va nous aider à mieux comprendre comment les fonds de pension œuvrent dans le monde entier et comment est-ce qu'ils viennent alimenter au capitalisme. Nous comprendrons également l'impact des fonds de pension sur notre climat, sur notre système alimentaire, notre système de gouvernance et sur les tendances les plus récentes. Cela représente beaucoup d'informations, c'est un sujet assez complexe. Voilà pourquoi nous allons faire une pause au milieu du webinaire afin que vous puissiez poser vos questions. Nous pourrons ainsi dissiper vos doutes. Nous entendrons également l'intervention de Devlin Kouyek et après ça, nous aurons 20 minutes consacrées aux questions-réponses. Et pour y participer, vous pouvez utiliser l'icône « Lever la main » en bas de votre écran. Vous pouvez utiliser cette option pour nous signifier que vous souhaitez poser une question. Aujourd'hui, nous avons un service d'interprétation vers le français et l'espagnol. Si vous souhaitez en profiter, cliquez sur l'icône en droite à bas de votre écran. C'est une icône en forme de globe, sélectionnez le français ou l'espagnol. Et maintenant, je présente Kevin Skirret, qui fait partie de l'équipe internationale de Grain. Il est basé à Montréal, au Canada. Il travaille chez Grain depuis 20 ans. Il se focalise sur l'accaparement de terre qui se fait de plus en plus intense. Devlin, bienvenue. Je te laisse te présenter au public. Merci beaucoup. Comme Dagit disait, je travaille chez Grain. Notre équipe est assez petite. Nous travaillons depuis différents endroits et nous essayons de promouvoir la biodiversité et les systèmes alimentaires locaux. Mais avant de laisser la parole à Kevin, je souhaitais vous donner plus d'informations sur notre objectif dans l'organisation de ce webinaire. Grain travaille sur le sujet de la souveraineté alimentaire et il y a environ 15 ans, il y a eu la dernière crise financière et nous avons tiré la sonnette d'alarme parce que les acteurs financiers avaient des interventions de plus en plus directes dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture. Ils ont commencé à acheter des terres agricoles, ils ont repris des entreprises agroalimentaires, des exploitations agricoles et nous avons enquêté et nous nous sommes rendus compte que la principale source d'argent derrière ce phénomène, en fait, c'était les fonds de pension. C'était un choc pour nous. Nous nous sommes demandé si cela pouvait nous donner l'opportunité de nous allier aux syndicats, notamment aux travailleurs dont les salaires différés étaient utilisés pour détruire les systèmes alimentaires locaux. Nous avons commencé à discuter avec des syndicats, des groupes de travailleurs qui travaillent sur le sujet des fonds de pension depuis très longtemps, notamment l'IUF qui travaille sur la financiarisation du système alimentaire depuis longtemps. Nous avons commencé à contacter différentes organisations afin d'établir des alliances à travers différents pays afin de pouvoir donc rejeter les investissements des fonds de pension et l'accaparement des terres. Là, nous avons beaucoup appris
Et nous apprenons encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens. Nous sommes néanmoins convaincus qu'il s'agit d'une cause importante et comme Kevin va vous l'expliquer de manière plus détaillée que moi, ces fonds de pension rassemblent l'une des plus grandes réserves d'argent pour le capitalisme et il s'agit des formes d'investissement spéculatif agressif qui ont un impact sur l'ensemble de notre vie aux quatre coins du monde. Ce qui est tout aussi perturbant, c'est que la situation des personnes âgées se détériore. Beaucoup n'auront pas de retraite lorsqu'ils arrêteront leur carrière. C'est un système qui est cassé. Nous avons besoin d'un système complètement différent. Alors, c'est un défi de taille, nous en sommes conscients, mais il s'agit aujourd'hui de répondre à ce défi afin de pouvoir répondre à toutes les autres crises auxquelles la planète fait face. En avril 2021, il y a un an, nous avons une idée de départ qui était une série de discussions. Nous en sommes là, nous ne pouvons pas vous fournir des réponses toutes faites. Il est important de créer un espace où les gens peuvent comprendre le problème et où l'on peut définir des actions pour trouver une solution. Alors, ce webinaire nous permettra de vous offrir une vision d'ensemble des fonds de pension, que vous compreniez le sujet. Et ensuite, nous aurons une deuxième discussion le 9 juin. Nous nous concentrerons sur les actions que nous pouvons mener à travers le monde, en différents secteurs. Et cette deuxième séance vous permettra de participer davantage, donc n'hésitez pas à venir y assister pour vous exprimer. Et ce webinaire, celui d'aujourd'hui, ce n'est que la première étape, mais nous espérons qu'il nous permettra, il mènera à d'autres discussions et à d'autres prises d'action. Donc, si cela vous intéresse, si vous souhaitez explorer ce sujet de manière plus approfondie, contactez-nous afin que nous décidions de ce que nous pouvons faire, nous tous ensemble, grâce à ces webinaires. Je remercie l'équipe formidable de Growing Culture pour le soutien qu'ils nous ont apporté dans l'organisation de ce webinaire. Je remercie Dayette qui va être la modératrice. Et je remercie Peter de l'IUF et Kevin pour leurs conseils tout au long du processus. Par conséquent, sans plus tarder, je donne la parole à Kevin. Donc, cela fait plus de 20 ans que Kevin fait partie de CUPE, l'une des principales, un des principaux syndicats. Le syndicat au Canada et il fait désormais partie d'un fonds de pension, lui, depuis peu. Donc, il comprend très bien le sujet. À vous, Kevin. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais commencer par partager mon écran. Je vais vous montrer une présentation PowerPoint. J'espère que cela vous sera utile et que vous n'aurez aucun mal à suivre ma présentation. Je veux m'assurer que tout le monde peut la voir. Et pour compléter la présentation de Devlin, je souhaite remercier Growing Culture, Grain et leur équipe qui ont organisé cette série de webinaires. J'en apprends sur la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire. Ce ne sont pas des sujets sur lesquels je me suis penchée de par le passé, mais je suis convaincue qu'ils sont très importants. Mon parcours au sein des syndicats de la fonction publique, focalise sur les infrastructures publiques ainsi que sur d'autres sujets dont je vais vous parler, mais j'ai été très heureux de l'introduction qui a été fournie aujourd'hui. J'ajouterai que je suis chercheur chez CUPE. Je ne représente pas CUPE aujourd'hui. Aujourd'hui, ma présentation ne représente que mes propres opinions et je fais partie de l'Institut d'économie politique
où j'ai obtenu mes diplômes. Sans plus tarder, commençons. Voilà le programme. J'ai 40 minutes pour faire ma présentation. Et il s'agit d'une vue d'ensemble d'un sujet qui est complexe et très intimidant. Mais nous allons essayer de, je vais essayer de vous l'expliquer de manière simple. Nous allons parler des concepts qui figurent dans le titre, le capitalisme des fonds de pension. Ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce que les fonds de pension sont structurés au sein du système financier. Je vais ensuite vous parler des régimes de retraite qui peuvent avoir un impact sur la politique. Ensuite, il y aura une pause pour prendre les questions. Et ensuite, nous allons nous tourner vers des projets assez choquants dont les fonds de pension ont été les principaux acteurs. Devlin va m'aider à expliquer leur impact sur la souveraineté alimentaire et l'agriculture et nous conclurons avec les stratégies de résistance, c'est-à-dire que pouvons-nous faire pour résoudre ces problèmes? Quel est le programme d'aujourd'hui? Sans plus tarder, commençons. Pour commencer, je souhaite parler du capitalisme des fonds de pension. Qu'est-ce que cela signifie? Ce terme existe depuis plusieurs décennies. Les fonds de pension, on a commencé à se rendre compte de la taille des fonds de pension dans l'économie. Il y a plusieurs personnes qui commencent à utiliser ces termes. Je travaille avec plusieurs collègues à un livre qui s'appelle « Les contradictions du capitalisme des fonds de pension ». Il a été publié en 2018. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, c'est un moyen de le faire. Et plus récemment, Leocadia Oresiak, une économiste, a publié un autre livre qui s'appelle également « Capitalisme des fonds de pension » qui donne une vue d'ensemble très utile de ce sujet. Alors, mais quel est le sujet? Les analystes ont commencé à utiliser ces termes. On parle de la taille des fonds de pension au sein de l'économie internationale. C'est une étude qui a donc mesuré la taille des fonds de pension. Eh bien, ces fonds de pension pèsent 56 trillions de dollars américains. C'est une somme faramineuse. Ça, c'était mon premier point. Et deuxièmement, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, les gens voient les fonds de pension comme étant des investisseurs passifs qui vont investir dans le marché des obligations. Et ça, de manière toujours très passive. Mais comme l'a dit Devlin, cela a changé ces dernières années, notamment ces 20 dernières années. C'est comme s'il y avait une révolution puisque de nombreux fonds de pension investissent de manière assez surprenante. Ensuite, troisième élément que je ne vais pas aborder en détail mais que je vais mentionner plusieurs fois, la troisième chose qu'il faut savoir sur le capitalisme des fonds de pension, c'est que les fonds de pension se sont lancés sur la scène économique mondiale comme des investisseurs agressifs. Il y a eu un changement, une réorientation néolibérale au niveau de la politique. Et ces 30 dernières années, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup d'attaques des engagements en matière de retraite sur le lieu de travail ou des régimes assurés par l'État. Donc, c'est une situation assez ambivalente. Voilà pourquoi, sur le dernier point de cette diapo, il existe une contradiction. Et donc, je suis un chercheur sur les syndicats. Pour moi, les revenus de retraite, des revenus sûrs, c'est quelque chose de très important. Et pour moi, la contradiction, c'est que les travailleurs qui ont besoin d'une retraite sont devenus dépendants des fonds d'investissement qui vont investir en leur nom et avec leur argent pour générer des profits.
au sein du système financier capitaliste. Un système qui est de plus en plus destructeur et prédateur. Et pour moi, c'est ça la contradiction et nous devons approfondir le sujet. Et cette diapositive vient donner plus de détails sur ce que je viens de dire. Alors, je vais vous fournir plus de détails sur la façon dont les régimes de retraite sont structurés. Mais je voulais parler d'un détournement, d'un éloignement des retraites assurées. C'est une tendance qui a commencé dans les années 90 lorsque la Banque mondiale et d'autres organisations internationales ont commencé à faire pression et à soutenir des comptes individualisés du style chilien. Donc il y a eu des promesses au niveau de retraite qui ont été faites, eh bien on s'en est éloigné, on est parti, on s'est tourné vers des comptes individuels et les investissements pèsent sur les individus. Donc si les investissements se passent bien, les individus vont y gagner. Si ils ne se passent pas bien, eh bien ils vont perdre. Les gouvernements, eux, portent ce fardeau, le fardeau des risques ou le partage. Et ces 20 dernières années, il est important de souligner que les systèmes de retraite des travailleurs, les systèmes d'octroi de retraite aux travailleurs, il s'agit notamment des systèmes qui sont basés, qui sont gérés par le lieu de travail. Eh bien, ce sont des systèmes mieux établis, plus établis au nord du monde, par exemple dans le monde occidental. Eh bien, là-bas, le coût d'assurer un fonds de pension, un fonds, un régime de retraite sûr, c'est-à-dire que vous pouvez être sûr que vous allez recevoir une retraite, eh bien, ça, cette garantie, coûte beaucoup plus cher pour différentes raisons. Il y a eu la baisse des taux d'intérêt. Les travailleurs travaillent plus longtemps parce qu'ils vivent plus longtemps, alors ils vont recevoir une retraite plus longtemps aussi. Il y a plusieurs facteurs qui ont augmenté de manière très objective le coût des retraites et les gouvernements ont réagi en disant nous allons supprimer ces retraites car nous ne souhaitons pas payer plus. Voilà pourquoi ces coûts nous les transférons sur les travailleurs et nous allons demander, nous allons chercher des investissements qui vont nous valoir un retour sur investissement majeur. Voilà pourquoi ils cherchent donc à réaliser de meilleurs retours sur investissement. Et les travailleurs qui sont retraités, qui ont des retraites, doivent soutenir ces recherches de nouveaux fonds de retour sur investissement. Et voici une autre diapo. Alors, c'est le titre le plus important. Donc, c'est pour vous montrer l'ampleur des fonds de pension en tant qu'investisseurs. Ils pèsent, ces fonds, 56 trillions de dollars américains. C'est énorme. Et cette diapositive nous dit aussi d'autres choses très importantes. Prenons les 22 pays au monde qui ont les plus grands fonds de pension. Eh bien, ce sont exclusivement ces 22 pays qui regroupent ces 56 trillions de dollars américains. Ce sont eux la source de ces fonds. Et pour être plus précis, ce sont les 7 pays qui sont les plus grandes sources de fonds de pension qui donc réunissent la majeure partie de ce poids total. Donc, bien entendu, l'acteur le plus important, ce sont les États-Unis qui réunit 30 trillions de ce montant. Autre chose intéressante, c'est que le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie, le Canada, les Pays-Bas et la Suisse
Ce sont les sept principaux pays sources. Et donc, ça, c'est pour vous faire comprendre qu'il s'agit d'une dynamique très concentrée qui ne concerne pas que le Canada. Et maintenant, quelle est la structure de ces fonds de pension? Je vous ai dit qu'il y avait eu des changements récemment. Alors, en général, et dans l'esprit de tout le monde, les régimes de retraite étaient créés par les employeurs et rarement par les gouvernements. Et au sein de syndicats, il y aurait eu un comité, donc une caisse de pension qui serait responsable de fournir cette retraite et de collecter les cotisations, de les rassembler au sein d'une réserve et de les envoyer. De les investir. Et cet argent pouvait être investi, géré par un gestionnaire de fonds, par une société d'assurance, par une société d'investissement. Cet argent va être investi sur le marché des obligations. La majorité des actifs étaient investis dans des obligations gouvernementales qui présentaient peu de risques. Donc, tel était le système jusque dans les années 90. Et là, les choses ont commencé à changer. Il y a eu une sorte de révolution au sein des structures financières et des systèmes de retraite. Alors, de mon point de vue, tout Canadien, les structures d'investissement pour les retraites faisaient partie des principaux facteurs de cette révolution. Les fonds pour le secteur public au Canada étaient tels qu'aujourd'hui, il existe dans le monde entier ce que l'on appelle un modèle de régime de retraite, un modèle dit canadien. Alors, en quoi consiste-t-il? Je ne parle pas du Canada juste pour prêcher pour ma paroisse, mais parce que je pense que ce modèle a été exporté à d'autres pays, donc il faut être vigilant. Alors, en quoi consiste ce modèle canadien? Je vais tenter de traiter ça brièvement, même si c'est un petit peu technique. Alors, il y a cinq points. D'abord, au lieu d'envoyer l'argent à Wall Street, etc. Au lieu de cela, les fonds de pension canadiens ont embauché des traders, des gestionnaires de portefeuille pour qu'ils fassent leur propre trading. Donc, ils deviennent vraiment les gestionnaires du portefeuille. Donc, il y a une échelle énorme, de plus de 80 milliards de billions, en fait, de dollars. Et il y a l'échelle également. Je pense qu'il y a plus de 80 milliards de dollars américains qui sont investis dans des actifs. Donc, ce sont vraiment des acteurs de taille. Et puis, ça, c'est un autre aspect clé. Il y a ce qu'on appelle la diversification de la classe d'actifs. C'est-à-dire qu'on s'éloigne des investissements passifs. C'est plus un passage vers ce qu'ils appellent le marché privé. Alors, on parle aussi d'actifs alternatifs. Ça veut dire qu'il s'agissait d'infrastructures publiques qui ont été privatisées, des fonds d'investissement, en fait, c'est investir dans des entreprises, des projets où l'investisseur est le propriétaire direct, n'a pas une action parmi d'autres. Il est le propriétaire. Il est à 100% propriétaire. Donc, vous avez là un contrôle direct de l'entreprise.
Ça peut être fait par le biais d'une restructuration. Donc, on reviendra là-dessus. Il y a également les crédits privés, donc les obligations, d'autres instruments qui peuvent être échangés en dehors des obligations. Et il y a bien évidemment l'immobilier, ça c'est une catégorie toute particulière. Et il y a vraiment de nombreux investisseurs dans l'immobilier au Canada, toutes sortes d'investisseurs hein, d'ailleurs. Et plus récemment, de plus en plus, il y a le logement, même le logement, des logements modestes, ce qui peut être perturbant. Il y a également la diversification géographique. Les fonds canadiens sont parmi les plus internationaux au monde. Donc, une grande majorité des investissements, en fait, ont lieu en dehors du Canada. Dernier point, du modèle canadien, on y reviendra peut-être, c'est assez étonnant, mais les fonds de pension ont fait quelque chose que d'autres opérateurs auraient pu faire par le passé. C'est le levier, l'effet levier d'augmenter leur base d'actifs et leurs bénéfices d'emprunt pour avec des emprunts pour investir. Alors, de nouveau, ça a transformé ce que les fonds de pension font en tant qu'investisseurs. Alors, pour simplifier, c'est qu'ils sont passés d'un modèle passif à un modèle vraiment d'acteurs actifs avec des grosses entreprises qui sont parfois des opérateurs de grandes entreprises. Et juste un dernier point sur cette slide. Ça peut être difficile parce que quand on parle de fonds de pension, d'acteurs, il y a également des fonds de pension qui envoient de l'argent à des expertes, d'autres experts. Ça peut être des experts dans l'immobilier. Donc les fonds de pension, comme ça a été dit, au début, agissent sur tous les fronts. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous donner un exemple de là où on voit les différents acteurs dans les fonds de pension et les différents acteurs politiques également, dont on n'a pas entendu parler il y a 10-15 ans. Donc, il y a une nouvelle organisation qui vise à remettre en question la privatisation d'infrastructures. Donc ça s'appelle donc la Global Infrastructure Investors Association, la GIIA. Ça a été créé en 2015 et j'ai mis cette diapositive avec une liste d'organisations d'entreprises qui sont affiliées, qui sont des sponsors de cette association. Et je crois que cette liste d'acteurs est extrêmement parlante parce qu'il y a un grand nombre de fonds de pension canadiens. Je crois qu'ils faisaient partie d'ailleurs de cette initiative à l'origine. Par exemple, le fonds de pension de l'Ontario. On a EMCO. La plupart des grands fonds de pension canadiens, ainsi que d'autres pays. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit les grandes banques d'investissement, Goldman et Sachs, les grandes entreprises en comptabilité, KPMG, Brookfield. Donc c'est vraiment un club, si vous voulez, un groupe de lobbying qui
fait pression au niveau international, à l'occasion du G20, à l'OCDE, pour plus de privatisation, plus de capital privé dans les infrastructures d'investissement. Et ça, c'est très important parce qu'on voit qu'il y a des plans de pension. Ah, on va faire une petite pause si ça vous va, Kevin. Oui, oui, ça me va. J'arrivais justement à la prochaine section, donc ça se complique très bien. Donc, on va peut-être prendre des questions du public directement par le, sur le Q&A, la rubrique questions-réponses, ou ceux qui souhaitent prendre la parole également. On a une question sur le revenu minimum universel. Donc ça, on touchera cette question à la fin. Donc, il y a une question de Jim Thomas. Je vois que les actifs qui peuvent être investis sont limités, sont à 250 billions. Est-ce que les fonds de pension ont un cinquième de cela? Alors, j'ai également vu ce chiffre, hein, 250 billions. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble des actifs financiers, des dettes du monde entier qui sont accumulés, qui sont additionnés. Et je crois qu'effectivement, ça représente bien la situation. Donc, on a tout un système bancaire qui soutient ça au niveau international, des compagnies d'assurance, des États également, et le marché des obligations également. C'est vraiment énorme. Et c'est important d'ajouter, j'ai pas d'organigramme pour vous montrer ça, mais vous verriez, un graphique. Ah, on ne vous entend plus, Kevin. Désolée, j'ai reçu un appel, ça a interrompu le son. Donc, si je pouvais vous montrer cette slide, vous verriez que même dans les 10 à 15 dernières années, le montant d'actifs financiers n'a fait qu'augmenter de façon exponentielle. Et même des analyses lambda se posent la question de cette croissance exponentielle et de la durabilité de ce modèle. Il y a une étude qui montrait les fonds de pension, c'était 36 billions, mais ça a doublé sur 10 ans. Donc ça fait réfléchir, hein, si on continuait à ce rythme, avec 66 billions qui pourraient devenir 122 billions en encore 10 ans. Et où est-ce que va cet argent? Et quel type de contradiction ça amène? On voit déjà des problèmes, hein, qui apparaissent aujourd'hui, et il va en avoir d'autres à l'avenir, dans les prochaines années. On a une autre question. Quelqu'un qui a levé la main. J'aimerais que cette personne active son micro. Eugene, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Ou Jonas Jacquard, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Alors, je n'entends pas Jonas parler, donc on va prendre une autre question d'un participant qui demandait s'il y avait un secteur où lequel les fonds de pension se concentraient, la santé, l'énergie, ou dans quoi investissent-ils le plus? Et qu'est-ce qui a le plus de conséquences? C'est une excellente question. Alors en fait, le prochain segment de cette présentation portera justement là-dessus. Je vais vous montrer quelques exemples très perturbants et les secteurs vers lesquels se penchent ces fonds de pension. Est-ce qu'ils changent dans la structure d'investissement? Je crois que c'est un petit peu difficile de déterminer qu'est-ce qui est le plus perturbant ou qui porte le plus préjudice. Je pense que ça a des conséquences, en tout cas, parce que la propriété privée et
y compris dans des secteurs, dans des sortes d'actifs qui sont sensibles d'un point de vue social, par exemple l'alimentation, l'agriculture, et puis la santé, l'éducation, la terre. Le transport, il y a une série de domaines qui sont préoccupants. Les fonds de pension, on le sait bien aujourd'hui, sont des gros investisseurs dans les énergies fossiles, le pétrole, le gaz. Avec la crise économique, c'est un problème. Il va falloir trouver un moyen d'effectuer une transition. Hein. Avec la crise écologique aussi, de sortir ces acteurs de ça. Donc, c'est la conclusion de cette série de questions-réponses. Kevin, vous pouvez poursuivre. Merci pour les questions. Alors, je vais essayer de vous partager de nouveau mon écran avec la diapositive. Ça va prendre quelques secondes. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors là, on va parler un peu plus de la politique et la question de savoir qui contrôle ces investissements et ce qu'on peut y faire pour reconnaître le fait que les fonds de pension ne vont faire que croître et ça pourrait être source de pouvoir, hein. Et ça remonte aux années 70. Ces années ont été assez, ça a été débattu donc à cette époque. Et au Canada et dans de nombreux pays, l'idée de syndicats qui négocient avec leurs employeurs pour ce qu'on appelle une gouvernance conjointe des fonds de pension. Donc ça a été un vrai débat, hein, aux années 70, 80, 90. Et ça a été effectué en fait en de nombreuses régions du Canada. Et la réflexion derrière ça, c'était de protéger les fonds de pension, enfin les caisses de retraite, etc. Et en même temps, on commence à débattre de la façon dont on pouvait investir là-dedans. L'investissement était vraiment la motivation principale. Donc, là. La mauvaise nouvelle, quand on remonte aux années 90, et bon, je vais très simplifier, hein, mais c'est que les efforts n'ont pas été très fructueux. Les syndicats qui ont pu avoir cette gouvernance conjointe n'ont pas forcément pu changer les politiques d'investissement pour avoir davantage de sensibilité, aux questions sociales, etc. Ça n'a pas été une franche réussite. Et donc les fonds de pension sont apparus en parallèle. Pourquoi cela? Alors, j'ai établi une liste de 5 raisons. Je ne vais pas avoir le temps d'expliquer ça en détail, mais je vais juste les aborder brièvement. Tout d'abord, les fonds de pension sont une propriété qui est investie pour des bénéficiaires. Et donc, il y a cette responsabilité de produire, hein, pour l'entité qui prend cette responsabilité. Et dans le monde juridique, l'interprétation de ce devoir a été distillée. Et l'idée, c'est devenu de maximiser le retour sur investissement si on souhaite vraiment respecter ce devoir. Pour certains juristes, c'est vraiment une doctrine. Et ça fait intrinsèquement partie de l'histoire des fonds de pension. Et ça, c'est important, mais on pourra y revenir. Il y a d'autres points également. Certains de ces plans de pension ont été revus
par des conseils d'experts en fonds de pension. Donc, ce n'était pas des syndicats, des représentants du personnel. Au lieu de cela, ils ont dû nommer des gens qui, a priori, avaient une certaine expertise, en gros des experts financiers, pour les représenter dans ces conseils-là. Il y a également ce qu'on appelle la cooptation. Donc, des représentants des syndicats qui vont être absorbés, si vous voulez. Et il y a également un manque de transparence, de reddition de comptes. Donc, la plupart n'ont pas idée de comment sont gérés ces fonds de pension. Et enfin, ça, c'est peut-être le point le plus politique, c'est qu'il y a de nombreux travailleurs, même des syndicalistes, qui ont l'impression que c'est dans leur intérêt, en fait, d'avoir ces fonds d'investissement, ce qui a mené néanmoins à ces pratiques prédatrices. Et je pense qu'on peut voir très clairement les limites, hein, du succès. Et il y a un fil directeur dans tous ces changements. Depuis les années Que 90, il y a je pense que eu ça vaut des le coup changements au d'investir dans la niveau de la mobilité. mobilité des capitaux dans le sud. Il y a eu des structures coloniales, des pratiques coloniales Mais que ça qui revient ont surtout mené à la à une privatisation de privatisation certains croissante de domaines qui, domaines jusqu'à de la présent, vie n'avaient pas été qui n'avaient privatisés, jamais été financiarisés. privatisés ni financiarisés. Et ça, C'est vraiment c'est à la base de ce au qui s'est centre de ce qui est en passé. train de se Est-ce que ce passer. nombre de Et têtes les aurait acteurs pu des en fonds de profiter? pension ont tiré profit, ont exploité cette tendance. Et maintenant, je vais vous parler de la réalité dans les faits, c'est-à-dire comment est-ce que ces tendances se traduisent de manière concrète pour les pays qui reçoivent ces investissements, du capital investissement? Les fonds de pension font partie de la dynamique de financiarisation, même à travers les investissements qui ont été faits dans les obligations, dans les fonds spéculatifs. Vous connaissez peut-être la crise qui a eu lieu à Porto Rico, qui a été repris par les fonds spéculatifs. Alors, comment est-ce que cet argent est arrivé jusqu'à ces fonds spéculatifs? Je ne sais pas retracer cet argent. Je sais que d'autres peuvent le faire. Et donc, ce sont des fonds qui sont utilisés pour acheter des obligations portoricaines ou argentines. Il y a eu également une crise en Grèce. Et il s'agit d'un autre monde, le monde des capital investissements, des terres agricoles, de l'agricole. Eh bien, les fonds de pension, dans cet autre monde qui est constitué d'autres domaines alternatifs, eh bien, les fonds de pension sont désormais des acteurs importants. Il y a eu de nombreuses affaires avec la participation des fonds de pension. Voici quelques exemples. Ce sont des exemples qui me perturbent, qui me choquent et qui, je pense, peuvent être utiles pour illustrer le projet. Alors, il s'agit d'un investissement qui a eu lieu en avril de 2018 à 2021. Il s'agit de deux fonds de pension canadiens et qui prévoyaient la privatisation de l'eau au Brésil. C'est une privatisation qui est menée par Jair Bolsonaro, qui a des alliés dans l'État de Rio de Janeiro et qui a mené la privatisation de l'une des plus grandes compagnies d'eau qui s'appelle Sedae. Et
Au Canada, nous nous sommes rendus compte que notre plus grand fonds de pension, le Canada Pension Plan Investment Board, CPPIB, nous avons appris que ce fonds de pension est devenu l'un des principaux propriétaires de cette société d'action au Brésil, qui s'appelle Iguaçaneamento. Et l'État de Rio de Janeiro a mis en enchère cette compagnie d'eau. Et il y a eu des acheteurs privés, notamment Iguaçaneamento. En fait, il y avait plusieurs groupes d'investissement privés. L'un d'entre eux était dirigé par Iguaçaneamento, qui est détenu en majorité par ces deux fonds de pension canadiens. Donc, ce sont désormais les propriétaires de cette compagnie d'eau publique, qui était avant une compagnie d'eau publique. Et cette entreprise, donc, entend poursuivre des acquisitions, d'autres mises aux enchères. Et voici un dernier élément sur cette affaire. Cette vente aux enchères était importante d'un point de vue politique pour Bolsonaro. Par conséquent, c'est lui qui a été l'organisateur, l'animateur de cette vente aux enchères. On le voit là sur la photo en train de taper avec son marteau pour conclure la vente. Alors, cette information n'a pas été partagée par les médias classiques au Canada, alors que le fonds de pension qui est impliqué dans cette affaire regroupe l'argent de la retraite de nombreux Canadiens. Néanmoins, je vous conseille d'aller vous informer sur cette affaire. Et il y a également eu une étude de cas qui porte sur le capitalisme des fonds de pension. C'est un exemple de ce capitalisme, un exemple agressif. Et il y a eu une grande mobilisation des travailleurs et des citoyens à Rio pour lutter contre cette privatisation. Malheureusement, Jair Bolsonaro et ses alliés ont réussi à mettre fin à cette mobilisation. Je pense que j'en ai dit assez. Cet exemple nous en dit long sur la façon dont ces fonds de pension opèrent. Et maintenant, je me tourne vers Devlin, qui va nous parler d'agriculture, de terres agricoles, de l'implication des fonds de pension dans ces domaines. Alors, je souhaitais vous parler de l'implication des fonds de pension dans le domaine de l'agriculture. Il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que les gestionnaires de fonds de pension faisaient beaucoup de pression et ils. En 2008, comme vous le savez, il y a eu une crise financière et il y a des fonds qui ont réuni de l'argent venant de différents investisseurs. Ça pouvait être des capitaux privés ou d'autres sociétés. Et donc, ils ont acquis des terres agricoles à travers le monde. Ils ont repris ces terres. Ils sont ensuite loués ces terres à des fermiers, à des agriculteurs. Et certains avaient mené eux-mêmes leurs opérations de gestion des exploitations agricoles. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que les terres agricoles sont une ressource naturelle, il n'y en a pas beaucoup, les gens doivent toujours manger, c'est une protection contre l'inflation, c'est une protection contre la volatilité des marchés, des obligations, et c'est un domaine qui leur convient puisque c'est un horizon à long terme, ce sont des investisseurs, donc il est tout à fait logique qu'ils investissent dans l'agriculture. En 2018, nous avions identifié 76 fonds de pension qui avaient investi en rachetant des terres agricoles. Donc, ces terres étaient gérées de manière interne, c'est eux qui les géraient, ou bien à travers des gestionnaires externes. Et donc, pour 15 milliards de dollars, 15 milliards de dollars ont été investis dans les terres agricoles par ces investisseurs. Et donc, il s'agit de marchés où il y a peu de risques, les États-Unis, en Australie,
Et les droits de propriété sont assez connus, bien définis, et ces investissements font monter le prix, les prix agricoles vont venir renforcer la concentration agricole, et il est beaucoup plus difficile pour les agriculteurs, les petits exploitants, et notamment les exploitants de couleur, d'accéder aux terres agricoles. Et donc, comme ça, ces investisseurs vont extirper, arracher l'argent des mains des communautés. Il y a également beaucoup de zones de frontières, c'est-à-dire que l'agriculture industrielle est en train de s'étendre, notamment en Amérique latine ou encore en Europe de l'Est. Il y a de nombreux conflits fonciers qui viennent rajouter de l'eau sur le feu et qui pointe à cette agriculture industrielle qui a un fort impact sur les communautés locales. Et l'un des plus grands gestionnaires de fonds de pension qui participe à cette course aux terres agricoles est que l'on appelle Nuveen ou IAA Craft et qui est un fonds de plusieurs milliards de dollars qui, à la suite de qui opère depuis la crise financière de 2008. Et donc, ces fonds agricoles donc, qui investissent dans les terres agricoles, ils vont rassembler l'argent de fonds de pension du monde entier, de la Corée, du Japon, de l'Australie. Ils réunissent ces fonds et ils vont acquérir des terres agricoles à travers le monde, notamment au Brésil, dans la région de Savannah, dans la région du Cerrado, c'est une région très diversifiée. Et c'est dans cette région que l'on assiste à l'intensification de l'exportation du soja et d'autres cultures. Et il y a donc une structure étrangers donc au Brésil qui va donc venir surmonter toutes les restrictions. Et donc il y a eu de la fraude, il y a eu des communautés locales qui ont été déplacées de manière très violente parce que dans le Cerrado, la plupart des terres sont dites publiques, mais elles sont ce qui les signifie. Elles sont occupées, utilisées par les communautés locales, les communautés autochtones et afro-brésiliennes. Donc, ces terres agricoles sont reprises et elles sont converties en des zones de culture, de monoculture, des zones de production intensives de soja et d'autres cultures. Donc, Ce sont des achats qu'ils ont fait grâce à l'argent de TIAAA et cela, ils viennent ainsi intensifier l'accaparement de terres. C'est un phénomène que l'on retrouve également dans d'autres parties du monde. Diapo suivante. Voilà un autre point de préoccupation pour nous, c'est l'accroissement, l'intensification du capital privé dans l'agriculture. Le capital investissement, ce sont des fonds très précis qui permettent aux investisseurs de contrôler des entreprises privées, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Et ces fonds sont dirigés par des petits gestionnaires qui sont certainement très souvent basés dans des paradis fiscaux. Et ces gestionnaires vont facturer des honoraires très élevés, mais ils promettent également des retours sur investissement très élevés, ce qui est très intéressant. Aujourd'hui, plus de 11 trillions de dollars sont impliqués dans le capital investissement. Mais 46% de cet argent provient de fonds de pension, puisque les fonds de pension sont l'un des principaux catalyseurs de présence du capital investissement dans l'agriculture. Pour ce qui est du secteur de l'agroalimentaire, il y a de nombreux fonds de capital investissement qui s'intéressent à l'agriculture. Ils sont plus de 300 aujourd'hui, ils n'étaient que 7 il y a 10 ans. Et les fonds de capital investissement investissent
exclusivement dans l'agriculture industrielle, c'est-à-dire des exploitations agricoles de grande échelle. Ils investissent dans la transformation alimentaire, dans les supermarchés, et ils investissent surtout dans les pays du Sud. Et cela contribue directement à la reprise et à la destruction des systèmes alimentaires locaux et à la santé, au bien-être que ces systèmes locaux peuvent fournir. Voici un exemple qui nous vient du secteur laitier au Kenya. Le secteur laitier est l'une des cibles des fonds de capital investissement et des entreprises et multinationales de l'agroalimentaire. Parce que l'Amérique latine, en Afrique, en Amérique latine, le secteur laitier repose sur des petits exploitants qui, par exemple au Kenya, ces petits exploitants produisent 90% des produits et qui est vendu à travers des systèmes de petits commerçants. Il y a environ 10 ans, il y a un fonds de capital investissement qui est géré par un groupe de Dubaï et qui a été financé par la Gate Foundation, entre autres, a pris une participation de 10% dans une entreprise qui s'appelle Brookside, qui est détenue par la famille du président kényan. Et cet argent a permis à l'entreprise de grandir et d'ouvrir ses propres exploitations agricoles et de constituer un réseau plus large de producteurs, de dispositifs de transformation et de plateformes de vente. Et ensuite, il y a le géant du secteur laitier Danone qui a pris une participation de 40% dans Brookside et qui a donc créé une plateforme qui a repris le contrôle du secteur laitier au Kenya ainsi qu'au-delà du Kenya, étant donné que désormais cette entreprise est l'un des principaux acteurs du secteur dans la laitière. Donc l'argent vient des fonds de pension, il est dirigé vers des fonds de capital investissement, il va avoir un impact direct sur le quotidien de la population locale. Diapo suivante. Je pense que votre micro est éteint. Kevin. Le micro de Kevin est éteint. Désolée, je perds un peu le contrôle au moment où je dois afficher ma slide, mon écran. Alors, je vais reprendre là où mon collègue s'est arrêté, Delphine s'est arrêté. Alors, l'exemple qui a été donné par rapport au capital investissement et à l'industrie laitière au Kenya, je peux vous assurer que aucun de ceux dont le plan de pension était impliqué dans ce processus avait une idée de ce qui se passait. Et si c'était le cas, ils auraient été très perturbés, ce qui a été le cas au Brésil avec la privatisation et puis dans de nombreux autres cas également. Et ça s'applique également à tout un tas d'autres domaines où les fonds de pension, le capital investissement, où ça a évolué en fait ces dernières années, les soins de santé pour les personnes âgées, les transports en commun. Il n'y a aucune limite aux ambitions de ces fonds de pension. Et bien souvent, les gens n'en ont pas conscience. Dans le deuxième webinaire qui sera organisé le 9 juin par Grain, il y aura des différents cas d'études qui seront présentés. Ce que je vais faire, c'est de clôturer cette présentation avec quelques éléments clés
En répondant aux questions qu'on a posées au début, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à ce sujet? Parce qu'on peut reconnaître ce problème, analyser cette nouvelle structure, mais que peut-on faire concrètement? Et j'aimerais dire tout d'abord que ce qu'on a vu au Brésil et dans de nombreux autres cas, c'est que ça continue, tout ça. Et de notre point de vue, les banques d'investissement, peu importe ce qu'elles font, peu importe ce qui se passe au niveau du système bancaire, ça c'est une catégorie. Alors bien sûr, dans un coin de la tête, on se dit, si c'est... Est-ce qu'il y aurait une façon différente d'organiser notre opposition et de remettre en question ces pratiques d'investissement prédatrices et qui sont extrêmement dommageables. Alors, ce dont j'aimerais parler, c'est de deux directions pour la stratégie. Il y a, depuis plus de 30 ans, une direction sur la façon dont on peut... aider nos syndicats, nos militants sur la façon dont ils peuvent exercer une pression par rapport à ce que peuvent faire les fonds de pension en tant qu'investisseurs et parfois les entreprises qui investissent. Et donc, de manière générale, j'appellerais un militantisme actionnarial, utiliser des actions, des parts comme vous savez dans des entreprises pour répondre à ces inquiétudes. Mais bon, il y a des limites à cette stratégie. Il y a de nouvelles stratégies plus ambitieuses qui, selon moi, pourraient mieux réussir. Alors, on a peu de temps devant nous. Je vais juste vous donner une petite carte... Un tableau de distinction entre ces différentes stratégies. Alors c'est un peu politique et j'essaie d'être un peu provocant à dessein, mais c'est pour susciter le débat. Alors il y a la première catégorie que j'appelle la stratégie insider, hein, d'être à l'intérieur, donc utiliser les structures existantes, partir de l'intérieur, avec les plans d'investissement, les syndicats. Avec cette stratégie, on doit envisager un vote par procuration avec un dialogue direct avec les entreprises qui sont impliquées dans ces investissements problématiques. Alors, il y a une autre chose dont vous avez peut-être entendu parler, c'est ESG. Donc c'est les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est un petit peu un nouveau nom pour les investissements sociaux et engagés, si vous voulez. C'est pour que les actionnaires, les entrepreneurs soient plus responsables socialement. Alors, je vais... parler de la catégorie 2, hein, pour laquelle je vais faire un petit plaidoyer, donc la stratégie de l'extérieur, de l'outsider, j'espère susciter le débat là-dessus. Alors la mobilisation sociale de masse, hein, ça c'est déjà une chose, et je pense que c'est ce que les syndicats, les activistes peuvent faire au cas par cas. On peut également appeler à des interventions politiques pour faire cesser cela, de vraiment prendre des mesures au Canada, par exemple, pour que le gouvernement intervienne et cesse cette privatisation, qu'ils y mettent un terme. Mais ça a été fait, hein, mais ça a été ignoré, malheureusement. Mais en tout cas, c'est une initiative. Il y a eu des campagnes intéressantes pendant la pandémie à ce niveau-là. Il y a un des syndicats
qui représente le gouvernement fédéral, les employés fédéraux au Canada, s'est rendu compte au début de la pandémie que l'une des plus grosses entreprises de santé, de soins de santé au Canada, qui avait vraiment un historique très mauvais en termes de taux de mortalité. C'était vraiment une entreprise lucrative avec un très mauvais historique qui s'appelle Revera. Et cette entreprise est à 100% détenue par des fonds de pension, des services publics. Ah, donc, et ce syndicat, le syndicat en question n'a pas demandé à des politiques ESG d'être adoptées, mais à demander de nationaliser de cela, de sortir ce système soit de santé, de la privatisation. Donc ça, c'est une autre stratégie. Il y a certaines catégories d'actifs qui connaissent des... qui ou sont imposées des restrictions, hein. Même au Canada, dans certaines régions, il n'est pas permis de vendre à des acteurs financiers, à des institutions financières, y compris à des fonds de pension, c'est interdit. Donc là, il n'y aura pas de problème. Et ça pourrait être étendu, je pense, au-delà de certaines catégories auxquelles cela s'applique aujourd'hui. Le prochain point est très politique. Alors, je l'ai dit hein, dans mes écrits, dans mes publications, c'est le problème de cette démarche prédatrice. Ça reflète un système privatisé, galopant, effréné. Et les fonds de pension s'emparent des actifs financiers, du marché financier. Et comme je l'ai dit, pourrait et on devrait trouver un moyen de sortir de ce cadre de plan d'investissement financier au Canada et de plutôt s'axer sur la solidarité sociale et que ce soit géré par l'État. Alors je vais finir avec le dernier point ici. Il y a peut-être d'autres stratégies hein, dont on entend parler des fois. Par exemple, la cession, le réinvestissement, ça pourrait tomber dans une ou l'autre de ces catégories. Et ce qui se trouve à la frontière, ce sont les stratégies qui visent à demander plus de transparence de ce qui est fait de ces plans d'investissement de pension. Alors là, c'est mon dernier point, hein, ma conclusion. Je l'ai dit dès le départ, ce que ça montre, tous ces modèles, c'est que lorsque les pensions sont ancrées dans ce système financier, on tombe dans une certaine dépendance. Les travailleurs ont ces pensions-là, ça peut être un plan de pension normal, ce qu'on appelle le RSP au Canada. Mais il y a, malgré tout, cette dépendance aux fonds qui sont investis, qui doivent générer des retours sur investissement conséquents. Oui, et l'idée, c'est oui, d'avoir plus de retours sur investissement pour avoir une meilleure pension à la fin. Et ça, c'est un problème. Donc, on a cette dépendance, non seulement sur les hauts, la forte rentabilité, mais c'est également la dépendance des conditions du marché des actifs. Et ça dépend des politiques publiques hein, qui facilitent cela, et d'un ensemble de facteurs, ce qui est tout à fait perturbant. Ça veut dire qu'il faut dépasser la résistance sociale, les syndicats, les mouvements d'activistes pour pouvoir atteindre cette profitabilité. Voilà, c'est l'idée. Et je pense qu'il y a
un moyen pour nous de se sortir de ce problème. C'est un défi politique de taille, de ne serait-ce qu'imaginer un système alternatif. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Le système financier actuel a toujours posé problème. Et aujourd'hui, ça devient extrêmement grave. Ça crée une crise extrêmement grave. Donc, il nous faut nous y opposer. Et ceci étant dit, je vais clôturer et on peut peut-être ouvrir la session de questions-réponses. Je vais cesser de partager mon écran. Merci Kevin, c'était super. Donc on arrive à la dernière session de questions-réponses. Il y a déjà des questions qui ont été posées sur le chat, dans la rubrique de questions-réponses. Donc on a tout d'abord une question de la précédente session sur le revenu de base, le revenu minimum inconditionnel, est-ce que ça pourrait faire partie de la solution? Alors désolée, j'ai raté une partie de votre question, est-ce que vous pouvez la reposer? Donc l'un des participants a demandé si la lutte pour le revenu minimum inconditionnel est liée aussi également au fonds de pension, est-ce que ça pourrait faire partie de la solution? Alors le revenu minimum universel, inconditionnel, je pense que c'est une excellente question parce que la crise que l'on a connue, que l'on connaît, est avant tout une crise de revenus. Il y a de l'inflation à présent partout, dans tous les pays. Ça, c'est vraiment un problème de taille. Et puis, des revenus qui ne suivent pas. Donc, est-ce qu'il y a... Est-ce que ça te demande pour un revenu inconditionnel pourrait compenser ce système inadéquat de fonds de pension? Eh bien, je dirais que oui. Tout peut entrer en jeu, toute réflexion est bonne à prendre pour lutter contre ce système. Et j'essaie de réfléchir à des niveaux de revenus qui seraient considérés comme adéquats. En même temps, nos revenus sont perturbés par le marché professionnel, le marché salarial, disons, qui rencontre des difficultés, qui doit être réformé. Et puis, il y a ce marché financier qui influence beaucoup trop ces revenus. C'est une très bonne question, je n'ai pas vraiment de réponse exacte. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut parler des politiques salariales dans les différents pays. Et il y a des parties de nos salaires. Et puis, il y a un âge avancé, l'âge de la retraite, où ce sera important de se pencher là-dessus. Donc, il y aura, on y reviendra à l'occasion du second webinaire le 9 juin. Gary Turner a posé une autre question. Est-ce qu'on arrive à une phase où les démarches basées sur les communs, sur l'allocation financière, l'allocation de ressources et financières. Est-ce que on peut revoir tout cela? Alors il y a une question similaire qui a été posée. Est-ce que la troisième stratégie est possible ou est-ce qu'on va déconnecter les fonds de pension? Il y a beaucoup à dire hein, sur ces deux questions, mais juste pour revenir sur ce que Peter a dit, je pense que c'est correct. Je vais renvoyer à une de mes publications dans un livre également que dont j'ai parlé un peu au début, qui est juste là, derrière Dajit. J'étais co-auteur du dernier chapitre de ce livre avec un collègue basé à Toronto, et ce qu'on a tenté de faire dans ce chapitre, c'est de parler de ce à quoi ça ressemblerait de passer à ce paradigme financier avec ses pensions, fonds de pension, à un système non financiarisé, et on a essayé de cartographier ça et de procéder par étapes sur ce que ça impliquait, et ce serait une expansion
des systèmes publics qui existent déjà, qui sont financés par le système d'impôts progressistes et la contribution des travailleurs. Des paiements qui ne seront pas attribués à la bourse, voilà, toutes ces choses-là discutables. Mais comment pourrait-on fédérer un soutien politique pour effectuer cette transition? Et mon principal argument, on est peut-être au tout début, aux prémices, mais mon argument principal serait que la plupart des membres du plan de pension ne sont même pas conscients de l'échelle, de la nature de ce problème. Et si c'était le cas, et même je vais aller plus loin, je pense que beaucoup de gens ont même été convaincus que ce système financier était la seule manière d'organiser les pensions et que c'était dans leur intérêt d'avoir ce plan financier avec voilà, un retour sur investissement qui soit assez généreux. Donc c'est un défi de vraiment remettre en question toute cette rhétorique. Mais la bonne nouvelle au Canada, c'est que, à vrai dire, nos deux systèmes publics, jusqu'en 1998, donc c'est assez récent, n'étaient pas financiarisés. Les plans de pension, les plans de retraite, jusqu'en 1998, les politiques d'investissement, c'était de financer les infrastructures publiques, hein. C'est bien plus logique d'organiser le système de cette manière que ce que l'on a aujourd'hui. Donc il y avait déjà ce type de modèle Mais il faut éveiller les consciences à ce sujet. Oui. On travaille effectivement là-dessus. On a une autre question de Andreas Sankoyo. Demande s'il y a une estimation des parts de fonds de pension qui sont investis dans les MIE. Au Canada, par exemple, on s'est rendu compte récemment que le BPJS en indonésien a investi dans un gros projet de charbon à l'est du Kalimantan. Alors, je vous remercie pour cette question parce que bon, moi, je parle du point de vue du Canada, mais le Canada, c'est un peu le berceau de l'industrie, du charbon. Hein. On a de grosses entreprises dans cette industrie, mais c'est vrai, c'est une grosse industrie au Canada, mais également à l'étranger. Et les fonds de pension sont des investisseurs massifs hein, dans cette industrie. Je pense que vous pourrez trouver ça dans n'importe quelle opération minière, y compris ce qu'il y a de plus menaçant d'un point de vue écologique dans le monde, vous trouverez des fonds de pension qui investissent là-dedans par le biais du marché public qui investit, et parfois par d'autres biais. Hein. Ça peut être un petit peu alambiqué, une opération qui supporte un projet d'eau, qui voilà, ça peut être très complexe, mais quand on prend un peu de recul, qu'on regarde ce qui se passe, hein, le panorama, on voit que c'est pas simple de remettre ce système en question, mais il y a quand même une possibilité. Ce n'est pas l'avenir que l'on souhaite bâtir pour les générations futures, et je crois que la finance est importante et les fonds, la finance a pris une importance et on a peut-être des ouvertures pour justement remettre ce système en question. En plus de la privatisation. Ah bon. Aux États-Unis, bon, ça c'est une bonne question qui vient d'être posée.
Oui, il faudrait tout un webinaire à ce sujet, en vérité, sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est vraiment un problème croissant. Je pense que la personne qui a posé la question est probablement consciente que, à la suite de la crise financière 2007-2008, il y a eu des expulsions aux États-Unis et il y a eu une chute de l'immobilier. Et il y en a qui sont arrivés et qui est arrivé à acheter tout un tas de logements, d'appartements en Californie, ailleurs. Eh bien, c'était les fonds d'investissement. C'était Blackstone. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à un moment, Blackstone était le plus gros fonds d'investissement au monde qui investissait majoritairement dans ces fonds de pension. Je crois qu'ils sont les plus gros propriétaires au monde à la suite de cette crise. Le même fonds de pension au Canada, celui que j'ai mentionné, un Revera, il y a quelques années, avait acheté des logements sociaux à Berlin, en Allemagne, qui avaient été privatisés par le gouvernement, qui était un petit peu désespéré à cette époque, et qui agissait comme propriétaire par le biais d'entreprises basées à Luxembourg, bref, des structures très opaques. Et donc, ces fonds de pension ont été investis, fonds de pension au Canada ont investi dans ces logements sociaux en Allemagne. Et ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et ça doit être au cœur de nos discussions dans les mouvements syndicaux. Donc la personne qui a posé la question se concentrait sur les États-Unis, mais je crois que c'est une crise vraiment mondiale qui est le produit de la financiarisation du logement. Et voilà une autre question. J'ai l'impression que les travailleurs dont la retraite est utilisée a une relation commerciale avec les fonds, puisque les fonds utilisent leur argent. Est-ce qu'il y a un contrat qui peut donc réglementer ce qui peut être fait avec l'argent, ou est-ce que les travailleurs peuvent également amener les fonds devant les tribunaux? C'est une excellente question. Voici une réponse courte. Je suis en faveur d'une idée, celle, je vois des syndicats capables de négocier des contrats. Donc, je souhaiterais qu'il y ait un cadre juridique qui puisse limiter les investissements, ou plutôt réglementer les investissements des fonds de pension. Mais cela peut être plus difficile, puisqu'il y a de nombreux facteurs dont il faut tenir compte. J'ai envie de vous dire que, vous savez, je travaille pour un syndicat et je suis assez critique, c'est vrai, mais je suis fière de faire partie des syndicats et surtout de CUPE. Et j'aime dire que nous ne souhaitons pas que nos fonds de pension soient investis à l'encontre à l'encontre du bien-être de nos travailleurs. Nous sommes contre cela, même si nous savons que nos fonds de pension vont en tirer, donc vont bénéficier des forts retours sur investissement. Et c'est une chose de dire ce genre de choses, et c'en est une autre de commencer le travail pour concrétiser cette intention. Et c'est ça que nous devons faire aujourd'hui, c'est la question que nous soulevons. Et de manière plus critique, je n'ai aucune hésitation à dire que certains syndicats pourraient faire beaucoup plus pour régler le problème et que beaucoup ne le font pas, tout simplement. C'est une difficulté immédiate qu'il faut surmonter. Donc, j'invite tous ceux qui sont en contact avec les syndicats à soumettre ce problème à leur attention afin qu'il y ait un débat ou une discussion au sein des syndicats. Je suis d'accord. Donc, c'était notre
Dernière question. Je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui ont posé ces questions très intéressantes. Les questions auxquelles nous n'avons pas répondu aujourd'hui, eh bien, auront une réponse après le webinaire. C'est l'heure de la fin. Et merci beaucoup, Kevin et Devline, de nous avoir donné ces informations, d'avoir partagé vos connaissances. Je souhaite également remercier les interprètes dont nous apprécions la contribution aujourd'hui. Enfin, je remercie le public. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est avec vous que nous pourrons nous diriger vers la prochaine étape. Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos points de vue, vos questions. Alors, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse email. Et nous souhaitons également nous assurer que vous êtes inscrit à ce webinaire. Si vous êtes inscrit à ce webinaire aujourd'hui, vous serez automatiquement inscrit à celui du 9 juin. Nous avons hâte d'y être, car le prochain webinaire va se focaliser sur l'impact direct des fonds de pension sur les gens, sur les lieux. Et parmi nos intervenants, il y aura Francisca Barriga du Chili, Maria Luisa Mendoza du réseau pour la justice sociale du Brésil. Mais ce webinaire m'a fait penser... m'a donné envie de trouver des stratégies d'action collective. Et c'est ça que nous allons faire. Nous avons besoin de ces stratégies qui nous permettent d'assurer aux travailleurs un système d'investissement public, un système de retraite juste et équitable. Merci à tous et à toutes.